Hey, c'est SixGamer95, donc on se retrouve sur Minecraft. Je vais vous faire un petit tuto. Donc attendez 2 secondes. Et voilà. Donc, je sais pas si vous m'entendez très bien. Donc je vais vous faire un petit tuto ceci. Donc, quand vous passez la petite corde qui est là. Donc je sais pas si vous entendez. Et là, vous voyez, ça arrête tout. Voilà. Donc je vais me mettre en créatif. Voilà. Donc ça donne ça, ce petit système. Donc je vais le reproduire avec vous. Donc tout d'abord on va changer de map. Donc on va créer une map. On va prendre celle-là. Hop. J'ai créé une map exprès pour faire le petit tuto et tout ça. Hop. Ok. On va changer encore de map. Donc celle-là, on va pouvoir la supprimer. Voilà. Donc on va créer un monde. Je vais faire tuto. Voilà, création, option, surface plan. Donc moi j'ai pas creusé, mais vous pouvez le cacher dans le sol. Donc ça charge. On attend le temps. Allez. Donc j'en profite pour vous non, j'ai rien dit. Je vous ferai montrer juste après. Donc vous prenez ce que vous voulez, terre, bleu, roche, pierre. Donc vous prenez ce que vous voulez en bloc. Après vous prenez vous allez dans redstone, vous prenez de la redstone, répéteur et piston, collant bien sûr, un levier et un crochet et c'est tout. Ah, attendez, oh, c'est bon. Ah, un village. Voilà, on s'en fout du village. Donc voilà. Je sais pas si vous avez tout pris. Ah non, il manque la ficelle. Donc vous allez prendre de la ficelle. Donc tant que j'y pense, bloc musical. Donc pour commencer, donc moi je vais creuser pour cacher, pour faire montrer comment on cache. Donc je précise, mettez toujours de la terre en dessous, là où vous voulez mettre le bloc note, le bloc musical quoi. Voilà, parce que sinon regardez ce que ça fait. Ça fait des basses. Donc voilà. Donc vous réglez votre son de bloc musical comme vous voulez. Après, vous allez mettre ici aussi, vous allez faire comme ceci. Hop. Ah non, pas de gens, désolé, je me suis trompé. Hop. Vous allez faire comme ceci. Après, hop, hop. Donc, il faut apprendre le tir. Donc, je vous dire. Donc, bien sûr, j'ai oublié de dire, mais. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de largeur. Et 3 de largeur et 6 ou 7 de longueur. Bref, je l'ai dit. Puisque je me suis trompé. Donc, mettez 3 répéteurs comme ceci. Prêt.
je vais faire une petite montée comme ceci. Hop. Et vous allez redescendre. Donc ici, vous mettez pas de répéteur, sinon ça ne va pas marcher. Regardez. Ça ne relie pas. Donc mettez Darkstone. Après, ici, vous pouvez mettre des répéteurs. Donc vous changez pas les répéteurs, vous les laissez tous à 1. Là, on va faire... Donc pour rejoindre... pour que ça marche, pour que ça s'active. Quand vous marchez, par exemple, il y a un intrus. Et bah vous allez faire comme ceci. Hop. Donc bien sûr vous pouvez le cacher comme là. Donc pour entrer. Là on est en train de cacher. Voilà. Donc là on va juste un petit bout de redstone. Hop, vous faites comme ceci. Là vous mettez un bloc de terre. Et là, vous allez mettre un crochet. La ficelle. Donc, la ficelle, elle se voit pas. Donc, quand vous avez mis la ficelle, laissez un espace. Et, vous mettez, bloc de terre. Et après, vous pouvez mettre ça. Sinon, ça va pas marcher. Ça va pas pouvoir mettre, le crochet. Donc voilà, donc là ça peut s'activer. Voilà, donc vous avez vu, les bruits se font en même temps. Donc là, là vous allez mettre un répéteur. Ah non, désolé, c'est ici. Ah oui, je vais oublier de vous dire. Donc ici, vous mettez, voilà, ici, 1, 1. Donc, vous appuyez une fois et là aussi. Donc voilà, ça donne ça. Donc on va couper. Et après, pour le désactiver, donc vous allez mettre un piston collant ici. Enfin, vous allez creuser, voilà. Et vous allez mettre un bloc de terre. Il faut pas que ça touche ici. Là vous allez mettre, ah attendez. Donc salut à tous et à toutes, donc on se retrouve sur Minecraft. Donc on va terminer le petit tuto parce que ça fait 2 jours que je suis dessus. Et je sais pas. Ah oui, on était à là, donc j'étais à là. Et je suis vraiment désolé parce que la vidéo je l'avais commencé hyper tard. Voilà. Donc si vous avez suivi la vidéo, et ben vous allez faire là. Donc vous allez commencer par ça. Si vous l'avez mis. Et après, hop, vous continuez. Hop. Creusez. Jusque ici. Jusqu'à temps que ce soit ici. Donc là vous creusez, apparaît. Hop. Hop. Donc là vous voyez que ça marche pas. Donc, hop, hop. Vous faites ça. Voilà. Donc là, ici vous pourrez cacher blocs, tout ce que vous voulez. À part pour les blocs notes, vous mettez de la terre, sinon ça marche pas. Donc faut pas mettre de trucs durs. Donc là, pour le piston, je vais mettre de la stone. Un répéteur, 1, 2, 3, répéteur. Sinon ça marche pas très bien. Hop, hop, montez. Et ici vous mettez un répéteur. Donc le levier, vous n'allez pas le mettre n'importe où, regardez. Ici ça va pas marcher. Le truc n'est pas activé. Donc pour pas se tromper, donc vous suivez. Hop, c'est ça. Voilà, vous retournez et vous descendez. Donc vous mettez là. Là vous entendez le piston. Donc regardez. Ici, la redstone circule. Si j'appuie sur le levier,
Ariston ne circule plus. Donc, regardez, on va faire un test. Là, le voleur demande qu'est-ce qui se passe. Là, vous appuyez. Non, bien sûr, si il passe deux fois. Là, donc là, bien sûr, ça fait l'alarme. Et regardez. Là, ça s'arrête. C'est pourquoi? Parce que tout est activé. Donc, voilà. Donc, là, vous appuyez. Le resto ne circule plus. Voilà. Donc voilà. Donc ce tuto est terminé. Donc on se dit à la prochaine avec ce tuto là. Donc je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéos de présentation, de tuto, ce qui est vidéo de Minecraft, donc je sais. Mais j'en ferai plus souvent, c'est parce que je travaille dur. Donc je sais pas pourquoi. Ça veut pas marcher. Donc ah voilà. Ah voilà, c'est bon. Parce qu'il y avait la majuscule. Donc voilà. Donc on se quitte avec ce tuto. Donc on se dit à la prochaine pour un prochain tuto tutoriel quoi. Et un tuto beaucoup plus simple. Donc on se dit à la prochaine. Allez, salut les gens. Et mettez un max de votes et d'abonnés.